J'ai profité pour lire en même temps. Parce que quand ça a commencé, je n'aurai pas le temps. Oh. Bonsoir, madame. Ah, collègue, tu vas bien, monsieur Zedine? Aïe, aïe. Ah, tu es devenu grossiste, hein? Aïe, franchement, je suis content d'être parmi vous, mes collègues. Franchement. Quand tu n'es pas là, Jean. Façon, tu as posé. Il faut. Quand tu n'es pas là, de façon, tu as posé. Beaucoup de projets comme ça dans ton tête. Jusqu'à même là, regarde. Il y en a même là, tellement qui ont beaucoup de projets jusqu'à. Regarde. Il faut remarquer, hein, généralement, les gens qui ont beaucoup de projets là, voilà comment ils couchent. Quand ils sont couchés là. Et quand tu la vois coucher comme ça là, quand il la voit coucher, s'il est comme ça, c'est qu'il est en train de construire une maison dans son tête. C'est un projet. Et si cette maison même c'est beau, c'est un quartier il est en train de construire. Où il va mettre son nom à l'entrée du quartier. Comme ça. Et un coup, tu le vois faire ça. C'est qu'il est revenu en lui. Et puis là, ils ont des regards comme ça, autour d'eux comme ça. On dirait des gens qui sont perdus, c'est Prozé qui les fatigue. Et comme ça, les gars, vous allez voir, les gars. Je sais que beaucoup ici ont eu des Prozé. Beaucoup parmi vous ont eu des Prozé comme ça. Les gars. Et puis souvent, non, la majorité des temps, là, et même là, quand il regarde quelqu'un, il sait en même temps quel Prozé va avec lui. Les gars, par exemple, la femme qui lit, là, les gars. Celle-là, les gars, les jours où tu es à la zone, tu peux devenir bœuf. Non, je veux dire qu'elle peut faire enlevage de bœuf. Même madame, vous-même, vous, si vous avez l'argent, regarde, je vois comme ça, vous pouvez devenir poulet. Beaucoup de poulets comme ça, regarde. Ça va aller ici avec vous. Et c'est comme ça, ils connaissent le projet de tout le monde. Mais le jour que Dieu lui donne un peu, regarde, un peu comme ça, pitié. Il oublie tout pour le projet qu'il avait là. Quand il était en train de construire, il a oublié comme ça. Il est dans maquis, en train de se venger. Il fait le show, regarde. Il te connaît, il ne te connaît pas, il te donne l'argent. Quand il a fini, le jour où l'argent est fini là, il vient encore. Ces projets n'ont pas bougé, hein. Ils sont là. Il revient les trouver encore. S'ils sont même nattes là. Et puis il les regarde. Mais dans ça là-haut, voilà, madame, ça tombe bien. Je voulais te poser une question. Voilà, vous tous même là-haut. Vous qui avez l'habitude de vous suicider là-haut, comment vous font? Non! Regarde, j'ai essayé ça un jour. Moi, j'ai failli mourir. Aïe! Ah! Pour aller quoi? J'ai mis dans la cuisine, j'ai mis corde là en haut, j'ai cassé ça. Et puis j'ai mis dans ma cour, j'ai vu ça à la télévision, c'est un film que j'ai regardé. Le film là, le titre c'était Suicide permanemment. C'est-à-dire à tout moment, les gens se suicident. Donc je voulais essayer, il y a quoi dedans? J'ai attaché chaise là en haut, corde là en haut, je me suis mis, heureusement, je suis tabouré. Donc quand et je balance d'un arbre, moi je me suis balancé de la cuisine. Donc quand j'ai poussé comme ça, Taboulet là n'a pas voulu partir. Taboulet là m'a suivi. Heureusement, c'est mon petit doigt de pied là qui a bloqué ce taboulet là. Sinon, j'ai failli mourir comme ça. C'est là, j'ai vu que ce qu'on dit souvent, on a besoin d'un plus petit que soi, c'est vrai. Tu n'étais pas là. Madame, est-ce que vous avez une fois essayé de vous suicider? Vous? Oui. Vous avez une fois essayé ça? Ah, il faut essayer, tu ne sais pas ce que tu regardes. Hein? Il faut faire. Tu vas voir. Tu vas voir ce que j'ai vu. Et donc, dans ça là-haut, dans ça là, dans tout ça là-haut, dans le problème de suicider là, je suis couché à la maison avec mon femme, mon affaire. Nous, tout le monde, tellement de maison là. Il fait chaud.
On est couché au doigt comme ça, dans, au cou, cou commune là, on est couché là-bas. Et puis, façon, on s'est mal dans cou commune. On est couché, ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, on sait. Toi, tu peux nous dire quoi? Même la victoire de Côte d'Ivoire Cameroun, là, on savait avant. Regarde, moi, je te dis ça. De toute façon, on s'est mal. Donc, on est là comme ça, arrivé un moment, on attend. Bon! Tout le monde, couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous! Celui qui se lève, on le bite. Couchez-vous. Donnez votre argent, votre portable, votre tout. C'est un braquage. Couchez-vous. J'ai pris gros cœur. Au plus, je demande au responsable de braquage là. Couchez là-haut. Il y a son deux façons. Il dit, toi là, tu la fermes, tu la fermes. Si tu parles encore, je te bite. Je demande à mon femme, je dis, bite là-haut. Il veut, je te bite là, c'est quoi? Elle dit, il va te tuer. Je dis, ah, dans ça là, je vais mourir ici. C'est là, j'ai pris mon gros cœur, tous mes vases là. Elle dit, Boukare, tu vas où? Il va te tuer. Je dis, ah, oh, c'est mieux. Quand il va prendre mon argent, je n'ai pas encore là. Boukare, je dis, ah, oh, regarde, j'ai attrapé mon cœur comme ça. Je dis, il a mis fusil là, sur mon tête comme ça. Et puis, je me soulève avec fusil là. À fur et à mesure que je me lève, fusil là aussi se lève comme ça. Et puis, je regarde au milieu des fusils, je vois les balles là qui font comme ça, poncon, 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 poncon. Et ils sont prêts pour me tuer. Je dis, j'ai attrapé mon cœur. Les voisins vous disent, ouh, regarde, faut pas verser ton sang sale là, c'est nous ici. On a tous les mêmes problèmes ici, regarde. Il faut pousser là-bas, si tu veux mourir là, quoi là-bas. Je dis, j'ai pris mon gros cœur. J'ai attrapé mon cœur comme ça. Je regarde l'homme là. Il me regarde. Il dit, tu te mets à genoux. Moi, vieux comme ça, devant mon enfant, je me mets à genoux. À quoi de quoi? Parce que tu as mis fer sur mon tête. Je dis, je me suis concentré. Et puis, je l'ai expliqué. Mon problème. Il me regarde encore. Je l'ai expliqué. Mon problème. Il me regarde. Je explique encore. Mon problème. Il dit, ils étaient quatre. Il y a un qui s'appelle Moïse. Arrivé un moment, il y a Moïse qui a commencé à faire ça. Il ne supporte pas mon problème. C'est quand il attaque. J'explique encore mon problème. Il dit, il n'a pas pu supporter mon problème. Il a fui pour aller au dehors. Je suis dans la cour, j'explique mon problème. Et j'entends dehors là-bas. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça plus que nous? Quand il entend ça là, je ne laisse pas faire. J'explique encore mon problème. Il dit, lui qui a mis fusil sur mon tête là, arrivé à un moment, lui aussi il fait ça. Fusil a commencé à descendre seul. Je sens que fusil aussi faisait. Il dit, quand ça fait ça, j'explique encore mon problème pour la dernière fois. Quand j'ai fini là, Moïse ne pouvait pas supporter pour le même endroit là-bas. Et la fille pour rentrer. Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il voit les responsables, la responsable de braquer, les faisant, viens, faut voir ce qu'on peut faire pour lui. Il souffre trop, il souffre. Il dit, ces jours-là, ils ont cotisé 50 000 pour me donner.